Le 7 décembre, la station de Valsenis a pu accueillir le championnat monégasque de ski alpin, un championnat qui a été officié par Johan Taberlet, issu du monde handisport. C'était une grande première mondiale aujourd'hui puisque j'ai eu l'honneur de réussir mon diplôme de délégué FIS il y a peu de temps. Et puis c'était ma première mission ici sur ces championnats monégasques en géant sur une FIS Homme. Voilà, et du coup, tout s'est bien passé, je suis très heureux. Et de manière plus générale, vu que je suis le premier handicapé à avoir réussi le diplôme, il y a la petite symbolique du fait que même une personne en situation de handicap peut réussir à devenir délégué FIS et à faire le job qu'il y a besoin de faire sur des courses. Donc c'est la petite saveur un petit peu là particulière. Après, le boulot reste le même, c'est assez intense, on se passe des bonnes journées, mais c'est l'envers du décor que je connaissais sans connaître en fait. Et j'avoue que ça me plaît bien et ça donne envie de revenir sur des courses assez vite. Donc, très heureux. J'espère que j'aurai ouvert la porte et puis que le mouvement suivra derrière. Très heureux et fier, bien sûr. La nouvelle présidente de la Fédération française de ski m'avait demandé de participer à ce challenge en formant Johan, en le validant comme délégué technique, ce qui a été fait des 3 années précédentes. Et j'ai tenu vraiment à ce que Johan officie pour la première fois sur notre championnat, et bien sûr en France, et à Valsenis. Pourquoi à Valsenis? Parce que du fait que la station est 100% accessible, eh bien Yo a pu effectuer sa mission sur une course valide. Et ça, c'était important aussi. Donc aujourd'hui, une grande ouverture sur non seulement le fait qu'il puisse être délégué technique sur une course, mais sur une course valide. Et c'est ça qui est le plus important. Donc un grand merci à la station, un grand merci à l'organisation en général, y compris le soleil. Vous savez qu'à Monaco, sans soleil, on ne sait pas faire grand-chose. Alors Valsenis a tout prévu au mieux pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Un championnat qui rend le monde sportif plus accessible et qu'on espère voir ouvrir la voie aux autres compétitions.